Salut à tous et à toutes, c'est Réception du jour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce qu'on va parler d'un jeu. D'un jeu qui fait peur, où il y a du sang. Et on va faire une nouvelle partie, bien évidemment, parce que c'est une force view. Donc là, la luminosité, on va faire... Oula, oulala, ça commence très bien. Là, il y a le fauteuil qui roule tout seul. Qui est pas ça là. Donc on va faire ça, c'est pas mal pour la vidéo là. Donc je suis désolé si la qualité n'est pas terrible. Donc on va faire en mode détente hein, parce qu'on joue pas trop non plus. Oula. The Evil Within, c'est un jeu d'horreur survival horror qui est édité par Bethesda Softworks et développé par Tango Gameswork, pardon. Il sort officiellement le 14 octobre 2014 sur PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et PC. On peut l'avoir à 50 euros sur les consoles PS3, Xbox 360 et 10 à 20 euros plus cher pour les consoles de nouvelle génération. Donc voilà. Donc là, on commence par une petite cinématique de début, normal, normal. Donc aujourd'hui, ça va être plus de parler des premières impressions. Hein. Ça va pas être une vidéo test parce que je peux pas me permettre de le faire alors que j'ai pas fait le jeu. Donc c'est un jeu où j'ai eu un coup de cœur dessus. J'aime pas trop les survival horror, les trucs qui font peur et tout, mais ça m'a attiré parce que ça fait peur, mais on se sent on se sent combatif. En tout cas, dans les trailers, c'est vraiment très gore, etc., etc. Donc alors, ce qu'il faut savoir déjà en premier lieu, c'est que le réalisateur du jeu, c'est Shinji Mikami, donc celui qui a fait tous les jeux Resident Evil. Donc c'est pour ça qu'on le voit directement, qu'on retrouve le moteur physique et graphique des Resident Evil, ça ressemble vraiment beaucoup. Alors moi je suis déçu déjà direct d'emblée, donc j'étais déjà déçu avant de l'acheter, hein. Mais moi je l'ai pas acheté pour les graphismes, de toute façon faut pas se voiler la face. Je pense que les jeux comme ça c'est plus basé pour faire peur et pour avoir un côté gore. C'est vrai qu'on en a vraiment pas beaucoup, c'est vraiment limité des jeux comme ceci. Donc ça fait du bien. Donc voilà, on retrouve vraiment le graphisme et le moteur physique de Resident Evil, hein. Donc ça se voit direct. Mais c'est pas moche, hein, franchement, sincèrement, c'est pas moche, mais on voit vraiment que c'était bâclé, on va dire, même pas bâclé, que juste ils ont fait ça à leur façon et ils ont pas cherché à aller plus loin. Donc après, sur les consoles des générations. PS4 et One, ça va être largement mieux au niveau graphisme. Ça, faut pas, c'est même sûr, mais il n'y aura pas vraiment autant de travail non plus là-dessus. Alors, attention, je fais cette vidéo, on est le 11. On est le 11 octobre, je ne pourrais pas la mettre avant le 14, voire un petit peu plus tard, parce qu'en fait, j'ai appris qu'il y avait ZeniMax, donc c'est un. Alors là, on va commencer à jouer, je crois. Donc, ah ouais, donc c'est quand même assez rapproché au niveau du personnage. Donc on peut voir, c'est pas libre, hein. Il y a des petits freeze. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime bien, c'est sombre. Par contre, ça va me déranger un peu si c'est prêt comme ça. Enfin bref. Est-ce qu'on peut courir? On peut rien faire? Oui, donc ZeniMax, donc en fait, qui s'est introduit, enfin qui s'est introduit, qui s'est imposé devant devant Shinji Mikami, donc pour en fait être avec lui et travailler sur le projet. Donc en fait, eux ils retirent les vidéos qui sont mises avant, je pense, qui est normal, qui sont mises avant sur internet, sur YouTube, etc. etc. Hier, j'avais vu un magnifique premier épisode de comment dire. D'un mec sur YouTube, et c'est vrai qu'il a été retiré quelques heures après par ZeniMax, et je trouve ça quand même un peu chiant. On va voir à l'intérieur. Donc j'ai mis un peu plus fort au niveau de la télé parce que je pense Tu qu'il pourrais faut que prendre vous la tête entendiez ici, quand je ne même. sais pas ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, là Est-ce qu'il y a quelque on va chose? voir déjà le premier carnage. Alors je tiens à préciser encore une fois que, enfin je l'ai pas précisé, mais c'est interdit au moins de 18 ans parce que c'est vraiment gore. Voilà, il y a des corps, il y a du sang, il y aura des tête tranchée, ça sera Tu m'as vraiment entendu? gore.
Donc là, on se travaille vraiment doucement, ça va être sombre tout le long du jeu. Je répète aussi que je vais faire trois parties. Je sais même pas si je le dis parce qu'en fait, j'ai essayé une première fois de faire la vidéo, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, on va pouvoir courir. Voilà, on va pouvoir recourir. Comment qu'on court? Ah, on court comme ça. D'accord. Donc là, on regarde un peu partout. Parce qu'apparemment, faut vraiment chercher partout là-dedans. Pour les munitions, on va vraiment être limité. C'est encore pire que Resident Evil. Donc je sais pas si les gens ils connaissent un peu la série. Moi perso, j'ai jamais joué au Resident Evil. À part en démo. Ah, il y a un survivant. Vous êtes blessé. Que s'est-il passé? C'est pas vrai. Donc j'étais parti sur Impossible. quoi? Moi je parlais. Oui. J'ai été coupé parce qu'un imbécile il est encore Comment vivant. veux-tu? Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Donc oui, je vais faire trois parties de 11 minutes parce qu'en fait mon téléphone il peut que faire des parties de 11 minutes tout simplement, enfin des vidéos de 11 minutes. Je pense que c'est pas mal, c'est une bonne qualité quand même je pense. Parce que en fait je regarde là avec mon téléphone et comment dire l'image de ma télé et c'est vraiment presque la même qualité. Bon c'est clair qu'il y a des reflets un petit peu... Oula! Alors ça apparemment c'est le boss des boss. Dans ce jeu, voilà. Et moi, je trouve qu'il est extrêmement charismatique. C'est vraiment un truc de ouf. J'ai été bluffé par ça. Je trouve... Oh là, il se fait attaquer! Oh non, oh, putain. Bon, bah, ça commence bien. On commence dans le jeu et bim, on se fait attaquer. D'accord? Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commandé le jeu. J'ai précommandé le jeu. Et quand on précommande le jeu, on a 5 photos glacées, donc qui sont vraiment très belles. Je montrerai ça sur mon groupe, donc n'hésitez pas à venir sur mon groupe Réception du jour. Je mettrai encore le lien en dessous de la vidéo. Et il y a inclus dedans un code pour The Fighting Chance Pack, donc je ne sais pas à quoi ça consiste. Mais en tout cas, je suis pressé de savoir, donc on pourra l'avoir que le 14 octobre. On pourra voilà, le télécharger que le 14 octobre. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Donc là on va pouvoir jouer je crois. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi lui? Oh my god, je suis où? D'accord. Bon, ouais. Bon, il y a pas mal de détails, mais après c'est vrai que les graphismes, c'est pas ça. Oh my god! Oh my god! Wow, d'accord. Wow, ils sont sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? LS. C'est quoi comme bouton ce LS? Donc là, apparemment, faut se balancer pour avoir le couteau. Je pense, hein, je pense que ça paraît logique. Ah, allez, prends-le. Voilà. On a réussi à avoir le couteau. Donc après... Pour se détacher. Ouh! Donc je crois qu'on incarne un soi-disant Esteban. Donc je crois que c'est un flic avec l'équipe vont être emmenés dans un. Parce que j'ai pas expliqué un peu l'histoire. On va être un peu mis dans un univers un peu horrifique au style horreur gore. De toute façon, on le voit. Donc ah ouais. Ah ouais. Puis il faut rester appuyé quoi. C'est pas mal, j'aime bien les jeux de lumière, c'est plutôt pas mal. Après, voilà. Donc après l'histoire, je sais pas trop. Donc des clés, porte-clés trouvées dans le sous-sol de l'hôpital psychiatrique. Nanani, nanani. Ok. Donc après, je crois ce que j'ai vu, parce que j'ai vu quelques petits gameplay. Faut aller derrière. Là. Oula, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Ouh! Oh. J'aimerais pas être à la place du mec parce que ça doit pas sentir bon. Hein. J'ai envie de dire, ça doit puer la mort. Ok, jeu de mots de merde. Donc on ouvre la porte, vas-y mon pépère, t'inquiète pas. Donc quoi l'histoire, j'ai pas trop capté, je pense que en fait... À un moment donné, il y a une épidémie ou je sais pas quoi. Non, je pense pas que ce soit une épidémie, mais il va y avoir... En gros, un second monde qui va s'introduire sur la Terre. Donc, en gros, la Terre elle va être. Alors, est-ce qu'on peut regarder ce qu'il fait? On ne sait même pas où il est. Donc, en gros. Oh! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain! Non! Non, non, non!
C'est massacre à la tronçonneuse là-dedans, hein. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Attention, hein. C'est le bordel. Alors, aucune blague raciste, hein. Je fais juste un accent comme ça parce que je suis en mode de stress. Donc voilà, donc là c'est en gros... Oula. Oh. Oh. Oh putain. Ouh là 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 là, ça commence fort, ça commence très très fort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh mais je vais me faire buter là. Wouah. Eh c'est pas possible là. Alors il y a des petites séances de QT dans les petits trucs scriptés. Wouah. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais d'accord, faut éviter. Oh putain. Oh putain. Ah ouais, ça nous met dans l'ambiance vraiment directement. Bah dis mon pauvre gars, t'es pas tombé dans de l'eau très potable, hein. J'ai envie de dire, là c'est vraiment pas très 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 potable. Alors là on est dans une mare de sang avec plein de cadavres. Putain le pauvre, il vient de se faire arracher le mollet. Donc pour monter, d'accord. Donc ça va être très difficile. Donc première partie qui va se terminer, je retrouve pour la deuxième partie, ça va être un montage, donc vous inquiétez pas. A tout de suite. Et nous revoilà donc pour la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en aller, non? Je suppose. Là, qu'est-ce qu'il y a? Une porte. Voilà. Oula! Vous avez vu le freeze de ouf quand même là? Il y a des beaux jeux de lumière, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, après le jeu il va être sombre, donc la qualité de vidéo, je suis désolé encore une fois, mais je pense que de toute façon je pouvais pas faire mieux, j'ai pas d'adaptateur, j'ai rien du tout. Donc là il faut aller là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh! Oh là 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 là, c'est vraiment dégueulasse. Par contre, je pense que. Là, il y a des petites formes de QTE, donc des QTE, ça veut dire qu'en gros, c'est il faut que tu appuies sur des touches, sur des parties scriptées du jeu. Et ça va me faire chier un petit peu parce que du coup, ça ralentit le jeu. Déjà que le jeu, il va pas être rapide parce que... voilà, quoi, c'est un jeu qui va pas être rapide tout simplement. Hein. Et voilà, quoi, c'est... Je sais pas. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là il y avait une porte, ok. C'est pas ça. Il faut aller là-bas, là où il y a le cadavre. J'ai vu qu'il y avait un petit cadavre. Où est la sortie? Ah bah je me le demande bien, tiens. Alors, note ancienne des égouts. Près du portable verrouillé situé à l'extrémité des égouts, se trouve une échelle maintenant. Donc, alors voilà, tu vas pouvoir avoir des petits... des petits trucs à avoir comme ça pour t'aider pour trouver la sortie si tu n'y arrives pas, si tu mets trop de temps. Enfin là je pense pas que c'était fait vraiment exprès. C'est vrai qu'il y a plein de portes, il y a plein de choses à... Donc là c'est fermé, bah oui, bah écoute, c'est fermé, bah oui, bah là ça va être pareil, non? Ou faut que j'aille à la porte? Bah faut que j'aille à la porte. Donc après voilà, je découvre en même temps que vous, voilà, c'est, je peux pas faire plus, je découvre en même temps que vous, donc je peux pas vous en dire plus. Il y en a, je suis sûr, ils vont critiquer parce que bah je connais pas trop le ce qui va se passer. Bah écoutez, c'est le but d'une first view, hein, c'est de faire le jeu en même temps que vous le regardiez. Et voilà. Donc là, faut monter jusqu'au bout de l'échelle. Bah dépêche-toi mon coco, on n'a pas toute la journée, hein. Allez, patafouet. Donc alors pour ceux qui sont pas d'accord avec moi parce que je veux faire ce genre de petits tests de temps en temps, vraiment de temps en temps, ça va pas être tout le temps. J'ai été testeur, bon bien sûr c'était amateur, mais sur Dailymotion, sur trois chaînes, j'ai été sur pas mal de sites de jeux vidéo aussi, donc je connais un peu le sujet. Je pense que je peux me permettre de parler et de critiquer certains jeux, certaines mises au point au niveau des jeux vidéo. Donc là, je répète, on joue sur PS3. Alors là, on va pouvoir jouer à la lumière. Je trouve que c'est très très... C'est quand même pas mal, hein. Ça fait penser un peu... Alors moi, quand j'ai vu la qualité graphique, ça m'a fait vraiment penser
à du jeu PS2, quoi, parce que c'est pas non plus waouh, quoi, c'est vite fait. Alors là, on se retrouve dans une pièce. Alors, on est sorti par là. Hein. Là, après, on va là-bas. Je me demande bien où c'est qu'on va aller parce que ça a l'air d'être un vrai labyrinthe. Oh! Oh non! Il est revenu. Oh my god! Oh my god! S'il est revenu. Alors là, R2. Ah, pas mal! Allez, on peut regarder. Alors attention, il arrive. Il arrive. Ouh! Carrément! Et mec, si tu fais ça à chaque fois que t'entres quelque part, t'as pas fini de payer des portes, hein! Oula! Il a l'air vraiment en colère. Hein. Bon, après, je pense que l'IA va être assez costaud. Parce que c'est quand même pas des petits cure-dents. Après, au niveau de la bande son, ça va. Ça passe, mais on voit que c'est pas non plus un extrême une très très bonne qualité non plus. Le moteur physique au niveau des objets et tout, il a l'air d'être plutôt cool. Après, oula, est-ce que c'était bon? Après, est-ce que d'accord. Donc après, est-ce que merde, je sais plus ce que je disais. Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Alors là, on a pris un objet. Hop, allez, allez! Ah! Ah non, il m'a vu! Casse-toi! Casse-toi, Bobby! Casse-toi, Bobby! Non! Non! Oh putain! Vas-y, casse-toi! 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 Oh putain! Où c'est que je vais? Où c'est que je vais? Faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Oh putain, il m'a vu! Oh putain! Est-ce qu'il va. Ouais, je préfère me barrer quand même. De toute façon, je vais refaire le jeu, hein. Je vais refaire tranquillement parce que là, c'est vrai que. Voilà. Oh putain! Oh merde! Non, non, non! S'il te plaît, j'ai rien fait, j'étais. Voilà quoi! Non, s'il te plaît! Hop, donc voilà, là, c'est moi qui dirige le personnage, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, c'est scripté dans le sens où bah, il a sauté tout seul dans. Hop! Donc voilà. Il m'a pas eu, tu m'as pas eu, tu m'as pas eu! Non, non, non. Donc là, oui, vous voyez un petit peu mon côté déconneur. Ouais, bah, j'aime bien déconner sur les jeux comme ça. Faut avoir de l'humour hein, parce que ça va pas être gay. Hein. Je pense que le jeu, tu vas plus voir des meurtres qu'autre chose. Faut être gay. Enfin, faut être gay. Je suis pas homophobe, mais faut pas être. Ah merde. Faut être joyeux, quoi. Faut être content. Faut pas avoir les larmes au œil, quoi. Donc, alors, si vous avez vu l'œil, le petit logo de l'œil, quand il est vraiment fermé, c'est qu'on est repéré. Quand il est un peu genre ah ouais, j'ai bien vu, tu vois. Genre, ça veut dire que t'es à proximité. Donc là, je pense que c'est. Voilà, c'est le début. Je vous laisse un peu la musique, comme ça, vous verrez un peu la bande sonore. Ça fait flipper quand même, c'est assez morbide. Hein. Ça me donne des frissons, franchement. C'est pas pareil que quand on voit dans les trailers, mais ça donne des frissons quand on voit ça parce que tu te dis, il y a des châteaux et tout, ça rend un peu ça à l'intérieur. Hein. Alors, est-ce que la famille c'est The Evil Within? Motherfucker! Donc, je fais un coucou à tous les gars du groupe. Hein, tous ceux qui sont les plus actifs se reconnaîtront de toute façon. Donc, alors là, nous sommes où? Eh ben, nous sommes quelque part. Ok. Donc, là, il y a des taches de sang. J'ai envie de dire. Bon. Oula! C'est pas ça. Là, ça tremblote un peu là. Là, c'est assez lumineux.
J'aime bien, c'est. On voit vraiment. Oula, il court vite le. C'est assez lumineux, j'aime bien parce qu'on voit. On voit pas mal. Du coup, les détails de. Les détails de, du, gra, du moteur graphique, du coup. Et c'est vrai que. Bah, en fait, c'est pas aussi bâclé que j'aurais pu le penser, mais c'est vrai que quand il fait sombre. Tu peux pas trop voir et donc du coup c'est vrai que tu te dis bon bah voilà c'est sombre pourquoi bah parce qu'ils veulent se ils veulent laisser le boulot bâclé et tout donc alors donc là ça va être une cinématique je pense ouais vous voyez c'est quand même c'est beau hein c'est beau mais après ça vaut pas non plus une qualité de ouf alors qu'est-ce qui se passe. Vas-y, pas ta foi, monte un petit peu là. Oula. Bah, grouille-toi un petit peu, oui, ça c'est sûr. Bon, après, c'est vrai que, voilà. Quand on fait un zoom sur les personnages, comme on vient de voir sur la cinématique, c'est pas ça. Hein. Alors, moi, Esteban, donc celui qu'on incarne, il me fait un peu penser au personnage d'Uncharted. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça fait un peu cet effet-là. Oula, on a vu le boss. Est-ce que vous l'avez vu? On a vu le boss en plein. Pourquoi on a rapporté une malade? Ou un malade, je sais pas. Hé, ouais, Joséphine. Je suis désolé, Emile n'est pas ressorti. J'ai attendu, mais. Allez, calme-toi, Leslie. Là 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 là, ça arrive très très vite, ça arrive, mais très très vite. Alors, même quand. On nous tue, les ennemis nous tuent, ça va être très très gore aussi, on va se faire décapiter, démembrer, etc. etc. Donc c'est pas que gore pour nous, c'est gore aussi pour les ennemis. Hein. Donc voilà. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Là la cinématique, je pense, elle va durer assez longtemps, je pense, de ce que j'ai pu voir. Mais ça va, c'est beau, hein, ça tient la route, même s'il y a des petits frises quand même. Hein, on voit que les détails font que le jeu suit pas forcément. Oh là là, quel contrôle du véhicule, un petit drift et tout, ça devait être un ancien pilote de rallye celui-là. Hein. Donc ça c'est le personnage qu'on incarne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'immeuble il se. Donc voilà, là on voit la terre qui se tourne en fait. Donc est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va passer? Eh oui, ça passe très bien. Donc on voit quand même que c'est vachement bien fait. On voit vraiment aussi que c'est du ça. Y a un côté japonisant qui ressort dans ce genre de jeu. Parce que bon, Resident Evil, c'est bien sûr japonais. Et puis même, je veux dire, le réalisateur du jeu, c'est pareil. Hein, son prénom, c'est japonais. Hein, donc voilà. Donc après, c'est vrai que ça ressort pas mal dans certains boss, parce que j'ai vu quelques images, dans certains boss ça ressort vraiment pas mal au niveau de. Oula là, il y a eu un bug de graphisme, voilà, on peut témoigner de la qualité quand même assez basique de ça. Oula là là, il voit le boss. Donc oui, quand je disais qu'il y avait des boss qui étaient un peu. Qui ressortaient vraiment le côté japonais. Et même au niveau des personnages, genre des coupes de coiffure, au niveau de. Bon, au niveau du moteur physique, tout simplement, parce que même ça me fait penser à des Yakuza. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est qu'ils se transforment. Alors ça, c'est un côté que j'ai pas compris pourquoi eux ils se transforment et pas nous en fait. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Là là. Et en fait, il faut faire quoi? D'accord, et après? Mais encore? Quoi? Chapitre 1 terminé? Sauvegarder. Nouvelle emploi. Je l'ai fait en 21 minutes le niveau. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire sur le moment. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris une bouteille. Et oui, bah ah ça y est, d'accord. J'ai pris une bouteille et je l'ai lancée quelque part. Alors j'ai pas su faire la visée du lancement, donc du coup ça a lancé direct. Et je pense que ça va être L2, je pense. Chapitre suivant.
Donc peut-être du spoil, parce que souvent les vidéos, ça va être que le chapitre 1, hein, je pense. Chapitre 2, vestiges. Vous pouvez assigner des raccourcis dans l'inventaire pour accéder plus rapidement à vos objets, d'accord? Donc oui, donc j'ai lancé ça, et le boss, bah du coup, ça l'a un peu amené à aller voir ce qui se passait là où je l'ai lancé. Et voilà quoi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh my god! Oh my god, il fait tout rouge! Mais ma chemise est dégueulasse! Allez, la laver là! Qu'est-ce que tu fais? Et toi, la couette-couette là? Ah non, c'est un chapeau d'infirmière. Donc vous voyez, là quand même, ça fait on dirait que c'est qualité film. Hein. C'est pas dégueulasse. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. Après, quand c'est sombre, c'est. Je sais pas, en fait, tu peux pas vraiment te dire des choses par rapport au graphisme et tout, parce que bah du coup, comme il y a beaucoup beaucoup de jeux de lumière, il y a beaucoup beaucoup de couleurs, tu sais pas trop quoi en penser. Alors apparemment, je suis dans une salle d'opération. Eh, mais restez là, infirmière! Infirmière! Je suis en train de mourir là. Hein? What the fuck? Vous a... Hein? Oh, ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon. Je pense que tu fais un œdème au niveau du cerveau, mec. T'as un petit problème. Donc là, apparemment, je suis en prison. Putain, en fait, on est partout dans ce jeu. On est sur un deuxième monde. On est dans une infirmerie, dans un hôpital, dans une prison. Alors là, on découvre des découvertes de corps. Des corps découverts dans un village en bord de lac. La cause des décès reste un mystère. Plus d'une dizaine de corps mutilés retrouvés dans le village d'Elk River. Plusieurs habitants portés disparus. Je sais, j'ai un très bel accent. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs vues en fait. Ah, alors là, c'est, je crois que c'est Hey, des médicaments. Oh, vous avez vu? Oh, y a des verres de terre dans le lavabo. Et là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu que ça brillote là. Comment des chiottes aussi pourries peuvent briller? Et qu'après, dans ce jeu, faut vraiment. Ah! Faut vraiment tout regarder parce que c'est vraiment quelque chose où il faut être. Faut pas être bourrin en fait. Faut être bourrin. Oula. Salut toi. Faut être bourrin mais que dans. Quand il y a les ennemis qui vous attaquent quoi. Parce que sinon faut être vraiment discret pour pas évi pour éviter de se faire bah, niquer quoi. Je suis désolé de ma vulgarité mais faut. Fort. Bah elle est passée où? Vous êtes toujours le bienvenu ici. Donc là qu'est-ce que. Je crains de ne pouvoir vous répondre. Bah réponds-moi. Tu dois bien savoir si t'es à l'hôpital. Si vous ne signez. Bah oui, de toute façon, je suis obligé là. Donc après les menus sont assez basiques, on voit que c'est. Voilà quoi. J'aime pas trop les menus, ce style de menu là, mais bon. Alors la sauvegarde est très longue, je trouve. Voilà. Attendez 2 secondes. Voilà, je pense que la qualité vidéo va être un petit peu mieux comme ça. Donc voilà, donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut signer. Donc là, on ouvre une petite porte. Ce sont les médicaments. Bah t'es dans un hôpital mec! Eh? Tu vas pas sentir Je sais pas, faut être un petit peu logique quand même. Donc à chaque fois que t'es devant une porte, il faut être. Faut taper sur X. Parce que du coup. Bah pour l'ouvrir en fait. Donc à chaque fois ça va être un peu relou ça. Donc ça Tout va oui. bien. Détendez-vous. Mais il faut que je fasse quoi là? Asseyez-vous bien. Faut m'asseoir. Moi, s'il faut m'asseoir. Qu'est-ce que vous faites? Oh là 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 là. C'est pour votre Ça va bien. faire sortir un petit Ne peu le bougez côté pas. du seau quand même. Hein. Non. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Voilà. Tout va bien. Bah tout va bien, tu me mets Est-ce que je te
Tu me mets une capote sur la tête et puis je peux rien faire et tout va bien. Mais t'es en train de brûler un petit peu là. Hein. Ouh là 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 là. Tu m'attends mais où? Parce que si tu me notes pas le... Je sais pas moi. Hein. Passe un petit peu what the fuck hein, là, la force view. Mais bon, faut déconner comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut pas rester sérieux sur des jeux comme ça. C'est déjà assez glauque et assez morbide pour... Ah, ça c'est beau ça. Alors ça, je trouve ça magnifique. Ça va pas être un monde ouvert, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on peut être dans la nature. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va y avoir des créatures dans la nature? C'est quoi? On ne connaît pas l'origine du médicament que contient cette seringue de voyage, mais il restaure modérément la santé. D'accord. Donc on va pouvoir se restaurer la santé grâce à ce genre de seringue. Donc là apparemment on s'est craché, je sais pas trop. Donc là on voit des taches de sang sur le sol. Je crois qu'il y a une femme qui a ses règles. Oui, ben écoute, si t'as des règles comme ça, tu vas te vider de ton champ un peu là, hein. Donc faut faire vraiment gaffe là où tu mets les pieds. Ah, là il y a des morts, je crois. Alors les attaques, d'accord, coup de poing. Ok. Alors s'ils nous disent ça, c'est que forcément va y avoir des gens. Et ça j'aime pas trop. Alors je vais essayer juste. D'accord. Est-ce qu'il y a des coups de pied? Y a pas de coups de pied? Mais faut aller où en fait là? D'accord, alors là on casse un truc, on a récupéré 300 de médicaments. Ok. Et après faut aller où? Parce que c'est bien beau, tu vois, mais. Je connais pas le chemin. Ça a l'air d'être ouvert, hein. Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas forcément de barrière, mais si c'est ça, ça va être un petit peu chaud parce que tu sais pas où c'est qu'il faut aller, quoi. Alors là-bas, il y a de la lumière. Oula. Oh non, j'ai peur de l'orage. Alors, là, on a notre petite lampe torche. Enfin, notre... Enfin, vous avez compris, quoi. Donc après cette cinématique... Je pense refaire une petite partie et après laisser découvrir le jeu tout seul. Oula, ça sent pas bon. Qu'est-ce que tu fais toi là? T'es en train de manger quoi? Faut pas se goinfrer là, hein? Hop, donc on a un flingue. Il reste des balles. Oh! Oula. Oh my god. Oh my god. Voilà, on va se fighter un petit peu et après je vais vous laisser après ça parce que je pense que... T'es où? Il est où? Il est là. D'accord, j'étais en stress pour rien en fait. Il est mort. Je l'ai tué. Voilà, je t'ai tué. T'es qu'une crotte. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie pour ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, même si c'était vraiment un peu what the fuck. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, faut déconner, faut pas rester sérieux sur les jeux, surtout que c'est une first view, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, même si j'ai peut-être été compétent, mais je pense que voilà, c'est ce qui vous intéresse, c'est de vous éclater un peu pendant la vidéo, et voilà. Donc je vous remercie tous, venez sur le groupe, suivez-moi sur Instagram, vous aurez des photos du jeu, de mes fringues aussi, etc, etc. Continuez de me suivre, encore merci à tous les gars, et vraiment... Bah salut quoi, hein? Salut, au revoir, tu dis au revoir? Dis au revoir. Voilà, donc il a bougé la main, donc c'est bon, il a dit au revoir. Il dit au revoir, allez encore, un petit peu. Putain, j'ai plus de balles, oh non, putain. Bon allez, salut tout le monde, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous présenter le jeu. Ciao.